Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas d'analyse de match de Ligue des Champions et je voulais juste vous expliquer en quelques mots pourquoi. En fait, à l'heure où vous verrez cette vidéo, moi je serai pas où je suis actuellement et où je suis la plupart du temps d'ailleurs, parce que je serai au Vietnam pour un voyage que j'ai prévu il y a très longtemps maintenant et que je suis très content de faire. Mais donc voilà, si vous pouvez être sûr que je vais essayer par tous les moyens possibles de au moins regarder et suivre les matchs, mardi soir et mercredi soir, il sera plutôt en fait heure locale, mercredi matin 2h du matin et jeudi matin 2h du matin, et je serai précisément ici. Donc dans un endroit qui est censé avoir la Wi-Fi, mais pour avoir déjà passé un peu de temps en Asie du Sud-Est, je sais aussi qu'il ne faut pas nécessairement compter dessus. Et puis, je pense que ce serait juste trop galère de produire une analyse dont je serais personnellement fier et satisfait dans les conditions dans lesquelles je serais. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne veut pas pour autant dire que la chaîne va être en stand-by pendant cette période, et je dirais même au contraire, parce qu'en fait, depuis plusieurs semaines maintenant, je vous prépare quelques analyses dans l'ombre, quelques analyses en coulisses, qui seront publiées automatiquement pendant ma période d'absence. Et voilà, c'est aussi pour ça que le rythme de publication sur les dernières semaines a été un peu moins intense, un peu moins élevé. C'est parce que je préparais ces vidéos-là, et donc je vous propose de découvrir ce petit programme que je vous ai concocté. Déjà samedi dernier, vous avez peut-être normalement vu passer ma prise de position sur la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, qui pourrait voir le jour en 2024, et dimanche, j'ai voulu vous partager la trajectoire exceptionnelle de René Maric, qui est l'adjoint de Marco Rose à Salzbourg, et qui va rejoindre Gladbach la saison prochaine, qui il y a quelques années à peine tenait juste un petit blog d'analyse tactique. Voilà, c'est une vidéo dont je suis vraiment content et que j'ai hâte que vous découvriez. Ensuite, ce samedi, donc le samedi qui arrive, je vous ai préparé un petit sujet spécial Guardiola sur sa carrière de joueur, qui passe souvent au second plan et que j'ai trouvé assez intéressante à étudier. Ça sortira à 9h du matin. Tous les week-ends, les vidéos, c'est 9h le matin. Dimanche, donc, même heure, je me suis livré ensuite à un petit exercice de réécriture historique en posant la question « Qui aurait remporté la Coupe du Monde 1942 ?» qui est une Coupe du Monde qui n'a pas eu lieu, comme celle de 46 d'ailleurs, en raison bien sûr de la Seconde Guerre mondiale. Et puis enfin, pour ma dernière semaine d'absence, mercredi à midi sortira le troisième épisode du Joueur du Jour, très très attendu à en croire vos commentaires, et que j'ai vraiment en tout cas adoré préparer. Donc on fera un petit zoom sur la carrière et l'héritage de Gabriel Batistuta, et on conclura enfin, samedi 27 avril, à 9h encore, par un nouveau sujet spécial foot argentin, mais pour parler cette fois de la Máquina, qui est le quintet offensif légendaire de River Plate dans les années 40. Et alors ça, j'ai vraiment, vraiment hâte qu'elle sorte, parce que je pense honnêtement que c'est la meilleure vidéo que j'ai jamais réalisée sur la chaîne, de l'histoire de la chaîne. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'espère que vous serez d'accord. Et puis donc ensuite, je rentre en France mardi matin, une date qui n'est pas choisie au hasard, parce que mardi soir, c'est match, demi-finale aller de Ligue des Champions, et on se retrouvera mercredi matin pour l'analyse. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour vous tenir au courant de la suite des événements. J'essaierai de mettre quelques photos de mon périple, de mon aventure sur Twitter pour ceux que ça intéresse, et puis ensuite je passerai sûrement dans les commentaires des vidéos qui sortiront, en espérant surtout, bien sûr, qu'elles vous plairont. Dernière chose avant qu'on se quitte aujourd'hui, et je sais que c'est très très cliché, mais je voulais juste vous remercier. Voilà, je pense honnêtement que je réalise pas encore tout à fait ce qui m'arrive, entre guillemets. Bon, bien sûr, je suis pas Kylian Mbappé, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Alors bien sûr, je fais toujours du mieux que je puisse, et j'essaie de réaliser à chaque vidéo quelque chose dont je suis fier et satisfait, mais malgré tout ça, je pense que je suis encore assez, totalement surpris, incrédule, touché aussi de voir qu'il y a à chaque fois 50, 70, 100 000 personnes qui s'intéressent, dans une certaine mesure en tout cas, mais qui s'intéressent à ce que je pense ou à ce que je dis. Franchement, c'est juste surréaliste, j'aurais bien sûr jamais imaginé ça. Et je veux juste que vous sachiez, il faut que ça sorte, il faut que ce soit dit, je veux que vous sachiez en deux mots que je suis ultra, ultra reconnaissant de cette chance que vous m'offrez. Le dernier message enfin, c'est à toutes les personnes qui commentent jamais. Parce que voilà, malgré le fait que beaucoup d'entre vous interagissent énormément en commentant, en likant les vidéos, etc., j'imagine quand même que ceux qui interagissent pas restent la majorité. Et alors, la raison pour laquelle je pensais à tout ça, c'est que je me souvenais de quand
moi-même j'avais pas de chaîne YouTube et que je suivais quelques personnes par-ci par-là, je me suis jamais considéré comme un viewer actif, jamais commenté de vidéos, jamais liké de vidéos, jamais partagé de vidéos, jamais rien fait par rapport à tout ça. Et du coup, quand les mecs parlaient de leur communauté et qui parlaient directement aux personnes qui likaient les vidéos, etc., je me suis toujours considéré un peu comme en marge de ça. Enfin, je me sentais toujours un petit peu à l'extérieur. Et du coup, maintenant que je suis un peu dans cette position où je peux parler à ces personnes-là, je voulais le faire. C'est un peu comme me parler à moi-même à l'époque. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Toutes les personnes qui commentent pas, qui likent jamais, qui se sentent un petit peu en marge de ma communauté. Voilà, sachez que je vous oublie pas non plus, que je pense souvent à vous, parce que c'est peut-être aussi les personnes auxquelles je m'identifie personnellement le plus. Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère maintenant que la suite du programme vous plaira. Je suis aussi très excité à l'idée de partir. Je pars après-demain, à l'heure où on enregistre cette vidéo, parce qu'il est actuellement 18h18, mercredi soir, à quelques heures d'Ajax-Juve et Manchester-Barça. Je vous souhaite de passer aussi donc une super journée, soirée, semaine, et de notre côté, on se retrouve très vite. J'ai hâte. Bisous.